C'est en gris. Merci Imagiro pour tes 10 bits. En supposant que c'est pour un test, je crois. Ou pour féliciter pour le vol, peut-être. Alors. Oh mon dieu, il y a des gros méchants. Oh, alors la carte, elle est comment? Voilà. Oh là, c'est quoi cette carte? Est-ce que je peux sauter là? Est-ce que je peux sauter là? Pour le tout en un. Merci beaucoup, c'est très gentil. Attendez. Ouais. Je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose. Parce qu'avec un mage, le mouton se casse. Voilà, il y a un mage là-bas. On peut pas re-sauter trop. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, on va pas. Non. Non, non, non. Ah, mais là, là par contre. Et voilà, prévisible. D'ailleurs, tu as encore une limite à 10 bits minimum. Ah. Faudra que je regarde ça du coup. Je sais plus du tout c'est par contre. Faudra que je regarde ça mais je sais plus c'est. Comment on le tue lui déjà? Ah oui non il tape deux fois. Faire attention il fait deux coups de massue lui. Wow attends. Là il y a de l'eau là. Là il y a de l'eau. Ouais ouais pour les bits faudra que je revoie ça. Il y a tellement de choses à revoir. Vas-y, tape. Tape. Un. Encore tape. Deux, voilà. Et y a, on l'a vu, le magicien en haut. Oui, je sais pas. Il reste deux glaces, en me voyant. Non. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça, là, le doigt de la physique, là, non. Hop 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 hop. C'est pas un niveau qui va m'embêter ça encore. Si c'est un niveau qui va m'embêter. D'ailleurs 500, 3 dragons, 500 gemmes, 3 dragons et 2 œufs. Dans un instant. Voilà. Là, il y a de l'eau. On peut pas y aller. Allez, comme ça, ça nous fait un checkpoint. Bienvenue au pic des magiciens. C'est mon endroit préféré pour la supercharge. Oh, utilise-la contre ces magiciens. Ah ouais, c'est un niveau qui va m'embêter. En vrai, on s'en fout hein, de tuer les magiciens ou pas. Mais il y a un truc à faire. Vous voyez le... la grande zone verticale là en fait il va falloir charger tac charger comme ça et après partir sur la droite. Il a pas mangé le papillon. J'ai oublié une gemme sur le passage là. Non.
Voilà, c'est pour ça. Ce coffre là. Alors, en face. Wow, il y a du peuple, dis donc. Il y a du peuple. Mais ça, c'est pas possible avec la super charge. Ça, c'est... Non. Ça passe pas. Ça passe pas parce que j'ai pas fait de charge. J'ai pas dash. De m'avoir libéré. On dirait tous des draconiens de un peu style donjon et dragon. En fait. Alors. Voilà. Non mais non, c'est je dois rester dans mon élan de charge et après activer le planeur. Ça va rentrer, hein. Ça va rentrer. Quand j'aurai fini le jeu. Et voilà, et là, du coup, ils ont pas repas. Non. Je sais que c'est comme ça. J'en suis persuadé. La galère. Une vie. Voilà, et là c'est la charge pour aller là-haut, puis là, puis là. Et là, faut pas que je me plante par contre. Là, faut pas se planter. Mais déjà, si je peux réussir à faire ça. Ah! Au secours! Au secours. Ah là là. Ouais, ouais, ouais. On va y arriver, hein. Enfin, il y aura encore un game over, c'est tout, c'est pas grave. De là-bas, c'est pas possible. De là-bas, on est plus bas. C'est que de là. Je peux pas utiliser la super charge de la mortitude. Donc, c'est pas vrai. Je mets le planeur trop tôt, trop tard. Il faut mettre le planeur. Jake, ingénieur. Ou pas, loin de là. Attendez. Attendez. Je m'étonnerai.
fait un crash test, là, ce que je vais faire. Bordel, c'était ça. Et il y a le... Il est derrière. Et en plus, il est derrière. Va l'attraper, celui-là, par contre. Hein? Regardez-le. Vilain, va. Pourquoi il a pas fait le tour? Pourquoi est-ce qu'il a pas fait le tour? Je comprends plus rien. C'est où qu'il faut aller? Là-bas? Attendez, je viens d'où? Je viens de là-haut. Oui, ça rigole. Barbecue qui revient. Alors, on revient à cette fichue charge. Il y a un coffre à péter en supercharge. Il y a tout l'élan à avoir pour aller là-bas. Alors, attendez. Wow! On rappelle que les dragons n'aiment pas l'eau car ils sont à moitié chars, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Déplacé bizarrement. Mais non, mais pourquoi je saute aussi, quoi? Des fois on a de ces réflexes en mode panique en jeu, c'est n'importe quoi. Ah bah tiens, le game over, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Heureusement que le jeu est quand même très sympa et qu'il conserve vraiment là où on en est dans la sauvegarde, dans le nombre de gemmes, les œufs, le nombre de dragons sauvés. Heureusement. Game over dans une flaque, c'est exactement ça. C'est le game over dans la flaque, quoi. Comme tout à l'heure, même endroit. Comment je l'ai lui là-haut là, voilà. Parce que lui, enfin tous les ennemis nous laissent des gemmes. Là je les ai pas tués tout à l'heure.
un truc à faire. Comment je vais la voir celui-là? Bon, au moins je tilte que lui. Il va poser problème pour avoir 100% de ce qu'on a besoin ici. Après, il y en a. Non, derrière la base. Donc maintenant, on reprend là où ce qu'on en était. La charge, la flaque, en évitant la flaque. Comme ça, par exemple. C'est pas mal. On refait. On récupère la charge. Super charge même. YOLO. Oh, je m'étais pas trompé. Comment il est atterri là lui? Bien jeté des vagues. Ah plus bien. On a combien? 339 sur 500 cailloux. Oh. Alors là, est-ce qu'on y va juste en sautant? Est-ce qu'on charge? Il a fallu freiner un petit peu quand même. Un petit peu même. Ça va. Ça va. Donc là, c'est bon. Par contre, le mec il nous a... C'est le petit champignon là en bas à gauche là sur la minimap. Je sais pas comment la voir. Nocé. Tiens, sauvegarde. Checkpoint. Là. Oh, encore un. Il va falloir le. Tiens, non. Sérieux? C'est pas volontaire, mais écoute, c'est gratuit, c'est. D'accord, voilà, juste d'accord. On va pas s'en plaindre. Hein. Voilà. Il nous en manque un peu moins, beaucoup trop de gemmes. On continue jusqu'à quelle heure? Je veux terminer le monde 3 en fait. Lucas. Écoute bien, Spiro. Il y a une zone secrète dans le monde des artisans près de la cascade. Essaie de sauter sur les pierres à cet endroit. Monde des artisans, cascade. C'est compris. Et c'est même déjà fait en fait. Oui, non, je fais. Alors, en gros, je finis ce niveau. Après, il y a le niveau du boss. Et après, on s'arrête. Comment j'ai pu en rater autant? Là-haut, c'est fait, hein, on l'a tout vu. Là, c'est fait.
prenne la charge. Et que cette charge la ramène. La ramène où cette charge? Et lui il est là, hein, on le voit. Hein. Lui on en a besoin. Ah mais il y a des coffres en plus. Il y a des coffres de l'autre côté. Comment ça se fait, j'ai raté autant de choses. Il y a lui là. D'accord, ça, oula, doucement, ça on l'a vu. Ça, on l'avait fait. Ah oui, j'avais dit on y retourne tout à l'heure là-bas. Et du coup, comment. Salut mouton. Comment je saute de la. Y a... Oh, quoique, il y a peut-être de l'espace. Ça me résout pas mon problème des deux mages. Ah, attendez. Ouh, attendez. Ah. Ah oui, oui, j'ai raté une bonne partie du niveau. Carrément même. Voilà. Là, il est où? Et là, faut que je fasse un petit vol plané pour retomber sur le mec en bas là. Il y a des choses en face. On va essayer d'avoir ces choses en face. Comment? Ok. C'est beaucoup, beaucoup de cailloux quand même. Là, on va tomber là. Un. Et... Non, pop. Et il me balance loin, hein. 14, ça peut correspondre du coup à ce qui manque de l'autre côté. Comme ça. Ça peut correspondre. Et... Faut que je prenne la supercharge. Ah, la supercharge pour l'autre. Waouh. Tendu, hein. Oh, le mouton, le. Là, je tombe très bien. Hein. Par là-bas. Il est là-bas, là. J'entends un truc, si je meurs. Mais... Alors, comme ça. Voilà. Et il m'a bump. Bon, c'est ce. C'est comme ça, mais il m'a bug. Le retour du mouton. Oui,
j'allais ressauter, mais en fait non. Donc là, faut que je fasse attention. Attendez, combien de points de vie Yes. Ah, cool. C'est bon, on peut quitter le niveau. La sortie et au fond à droite, puis escalader. Ouais, donc j'avais zappé pas mal de choses du début du niveau, j'aurais pu faire avant quand même. Ah là là. Allez. Direction le boss, enfin le niveau du boss. Il va y avoir des cailloux à récupérer. Le boss, c'est Pompharon.